On a convenu pour cette table ronde-là de changer un peu les façons de faire, c'est-à-dire je les ai invités et je vais les inviter d'une part à se présenter. Vous avez leur nom, ce qu'ils font, mais en quoi ils sont des utilisateurs de la recherche et comment ils ont été en contact avec ce monde de la recherche-là. Pour ensuite, je vais les inviter à faire passer leur message clé. C'est-à-dire, comme nous les avons et qu'ils vous ont tous collectivement face à eux, je leur ai demandé de vous faire part de leur, à la fois de leurs expériences, des bons côtés et peut-être des points d'amélioration qui s'adressent peut-être autant aux chercheurs, aux universités, aux universitaires et aux organismes subventionnaires. Tout ça est inspiré, bien sûr, des questions que vous avez lues, c'est-à-dire les défis de l'appropriation des connaissances, comment favoriser leur intérêt à l'égard de la recherche, quels sont les moyens les plus efficaces pour alimenter les relations entre les milieux utilisateurs et les milieux de la recherche. Donc, en gros, je sais que leur message est organisé autour de quelques questions clés. On ne va pas prendre beaucoup. En fait, on a décidé entre nous peut-être de limiter le premier temps de parole pour susciter des réactions avec la salle et essayer de garder le plus de temps possible pour une discussion un peu à bâton rompu avec vous. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole et je vais le prendre à M. Élie Brugarolas, qui est président de la Commission des finances du Conseil régional Midi-Pyrénées. Donc, dans un premier temps, quelques minutes pour vous dire comment vous êtes intéressé aux connaissances et en quoi vous êtes, un utilisateur. Bien. Donc, en tant qu'élu régional, effectivement, j'ai été amené... D'abord, l'institution régionale utilise depuis déjà de nombreuses années, à travers des partenariats, le milieu de la recherche, le monde de la recherche. Quand je dis utilise, je sais que le mot n'est pas très bon, mais c'est un partenariat qui est établi, des conventions longues avec des géographes, avec différents chercheurs des SHS qui nous aident dans des études ou des recherches-actions. Mais là, ce que je voulais exprimer aujourd'hui, c'est plutôt en tant que politique, j'ai été aussi sollicité par une association. Et cette association est confrontée au même problème que moi. On va voir de quoi il s'agit. C'est une association de gens qui sont des victimes des pesticides. Et ces gens-là sont venus me voir en me disant « Vous continuez... » Alors j'étais avec un ami qui est aussi élu et qui est médecin. « Vous continuez à financer des camions qui pulvérisent des pesticides, alors que, vous voyez, il y a des victimes, et nous, ça maintenant, c'est avéré, nous sommes nombreux en France, etc. Ce serait bien que vous fassiez quelque chose. » Donc, j'ai dit, écoutez, non, pas de problème, on va s'en occuper. Donc, je me suis dit, avec mon collègue, nous sommes dit, peut-être qu'il faudrait montrer un programme de recherche-action qui serait donc interdisciplinaire, peut-être multidisciplinaire, peut-être pas tout le temps interne, mais multidisciplinaire et interdisciplinaire. Et donc, il fallait monter ce projet-là. Et ce projet-là, en fait, c'est moi qui l'ai monté, parce qu'en tant qu'élu, j'ai pas trouvé. Enfin, il y a des labos, je connais des labos toulousains, hein, mais pour monter l'affaire et pour faire que ça se fasse avec la partie médicale, la partie socio, la partie bio. Donc il y avait un certain nombre d'acteurs qu'il fallait mobiliser sur un même projet. Et donc il a fallu que je fasse ce travail-là. Et je me suis rendu compte qu'effectivement, pour l'instant, autant sur la recherche technologique et l'innovation technologique en France depuis 83 à peu près, il y a eu des institutions qui ont été créées, comme les CRIT, les Centres Régionaux d'Innovation Stratégique Technologique, autant sur l'innovation sociale, par exemple, je le sentais dans ce cadre-là, il n'y avait pas de lieu pour réaliser ce type d'activité. Donc voilà comment j'ai été confronté. Donc le programme est en cours d'exécution maintenant, je vous en reparlerai si vous voulez, mais j'ai senti qu'il manquait quelque chose à la fois... pour prendre en compte et pour accompagner des demandes d'associations ou de politiques. Alors, dernier point, et après j'arrête. Simplement, il faut savoir que pour nous, c'est très important parce que le monde se complexifie. Et c'est dommage quand on sait qu'à côté de nous, dans les universités, il y a des savoir-faire, des connaissances, des gens qui traitent des données massives, des gens qui font des modèles et ne pas les utiliser pour la décision politique. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc il y a un intérêt à développer effectivement les coopérations entre les politiques et le monde de la recherche. Très bien. Madame Cabana, qui est conseillère cadre à l'Association des centres jeunesse du Québec. Donc la question, c'est comment êtes-vous devenue une utilisatrice de la recherche?
D'abord, je suis actuellement conseillère à l'Association des centres jeunesse du Québec, mais je dois vous dire que j'ai fait toute ma carrière à l'intérieur des centres jeunesse. Pour ceux qui ne connaissent pas ces services-là, c'est des organismes provinciaux qui viennent en aide aux jeunes, aux enfants qui sont en besoin de protection, ainsi qu'aux jeunes qui ont commis des délits alors qu'ils étaient mineurs. On a beaucoup de clientèle et je peux vous dire que dès le début, comme jeune éducatrice, on a reçu des chercheurs. De tout temps, les chercheurs viennent dans les centres jeunesse. Mais je peux vous témoigner de l'évolution qu'il y a eu au fil du temps. Je me souviens très bien qu'en début de carrière, on était des terreaux, des fournisseurs d'objets de recherche. On pourrait-tu dire ça comme ça? Oui. De sujets et d'objets de recherche. Puis, il était assez mal vu. Parce que c'était des empêcheurs de tourner en rond. C'est parce qu'ils venaient changer nos pratiques. Et je vois maintenant, jusqu'au moment où, tranquillement, on est devenu de plus en plus partenaires au fil du temps, jusqu'à des expériences de laboratoires vivants qui se vivent dans les centres jeunesse, des expériences d'action concertée. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je suis ici, c'est qu'à la demande de Centre jeunesse et du ministère Santé et Services sociaux, on a fait affaire avec le Fonds du Québec pour la recherche, Société et culture, pour avoir une action concertée parce qu'on voulait faire l'évaluation de la nouvelle loi qui encadrait les jeunes délinquants qui étaient en œuvre depuis 2003. C'est mon parcours. Dans ce cadre-là. Dans ce cadre-là, oui. Impliqué. Monsieur Lacroix. Bonjour. Il y a presque 10 ans maintenant, Céline Bello de l'Université de Montréal a conceptualisé le phénomène de la judiciarisation des personnes itinérantes. Je vais décoder pour nos invités de l'étranger. Alors, on parle de SDF. Nos partenaires du milieu reprochaient à la Ville de Montréal, aux policiers en particulier, de donner trop de contraventions, toute proportion gardée, aux personnes qui vivent dans la rue. Céline Bello, avec la collaboration de nos partenaires qui défendent les droits des personnes de la Cour municipale, est allée chercher les données. Elle a passé des années à fouiller les contraventions, tout ce qui concerne ce dossier-là, pour arriver avec un constat qu'elle a livré devant l'état-major de la police de Montréal, tous en uniforme, tous des hommes. Courageusement, elle leur a montré noir sur blanc qu'on avait un problème. Alors, depuis 10 ans, je suis en mesure de vous dire que grâce au travail de Céline Bello, qui n'est pas ici malheureusement aujourd'hui, mais je lui rends hommage, nos pratiques ont changé, nos pratiques ont évolué. Des équipes mixtes se sont mises en place, police et réseau de la santé. Les contraventions ont été vues comme un dernier recours. On comprend bien qu'une personne itinérante qui accumule des milliers de dollars de contraventions n'est pas en mesure de les payer. Ce n'est pas une manière, justement, de l'aider. Au contraire, on la nuit dans sa réinsertion sociale future. Ça a été un contact avec la recherche qui m'a marqué. Depuis, il y a eu beaucoup d'autres recherches, actions concertées sur toute la question de la gestion des espaces publics à Montréal, la manière dont la Ville de Québec et de Montréal gèrent des endroits qui sont chauds au niveau de la prostitution, des gens qui sont toxicomanes, des personnes itinérantes également. On travaille également sur des phénomènes qui sont en émergence dans l'ouest de l'île, dans Côte-des-Neiges. On parle de domiciliation précaire avec M. Klein, qui est ici aujourd'hui, Charles Leroy, Jean-Marc Fontan de l'UQAM, tous les trois. Bref, pour nous, la recherche, c'est une manière d'appréhender la réalité, des coups de sonde qu'on donne dans la réalité pour éventuellement, c'est ce qu'on souhaite, changer nos façons de faire, améliorer nos pratiques. Très bien. Donc, on va passer au message, peut-être aux leçons apprises, au désir d'amélioration, aux recommandations de la part des utilisateurs à l'égard du système de recherche, des chercheurs et tout ça. Donc, M. Bruguerola. Très bien. Donc, à la lumière de l'expérience que j'ai eue il y a un an et demi et que je continue à avoir, je pense que j'ai écouté aujourd'hui tout ce qui s'est dit. Il y a déjà, j'ai trouvé ici des organisations qui me paraissent répondre un peu à la demande que nous avons. C'est des OLTIS, ça a été cité plusieurs fois, ça a été expliqué tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, il nous faut des lieux de rencontre, parce qu'en fait, si vous voulez, la société civile, quand elle est organisée, les associations ou les politiques, devraient pouvoir accéder à un lieu dans lequel il y a des interlocuteurs
qui permettre d'organiser la rencontre avec les chercheurs, surtout quand c'est interdisciplinaire, parce que pour monter un projet ensemble, pour co-élaborer un projet, il faut d'abord, c'est un processus évolutionniste, il faut se rencontrer, se connaître, se reconnaître, se comprendre et avoir confiance avant de définir l'objet à produire si on y arrive. Bien sûr, donc toute cette démarche-là, si elle est organisée en amont par un centre ou par un organisme, ça serait très intéressant. D'autre part, ça a été dit, on est aussi face à l'université, qui est l'université porteuse des savoirs du monde. Ça a été dit ce matin par le recteur. J'ai retenu la phrase parce que je le redirai quand on rencontrera les universitaires. Et on attend aussi parce qu'il y a, des savoirs dans les universités que la plupart des gens ne savent pas, ne connaissent pas. Effectivement, il y a des expériences. Par exemple, en économie sociale et solidaire, je pense qu'on a beaucoup à apprendre du Québec, qui a une expérience beaucoup plus longue que nous. Et je pense que dans tout ce qu'on veut mettre en place en termes de politique dans ce domaine-là, ce serait bien qu'effectivement, à travers les universitaires, on puisse avoir de l'information là-dessus. Ensuite, bon, la démarche, c'est une démarche classique de projet, hein, c'est-à-dire on se met d'accord sur un mode de coordination. Coordination longue, à ce moment-là, un contrat long. Il y a des exemples en région parisienne qui s'appellent des piqueries, des partenariats institutionnels citoyens, qui sont assez intéressants. Ce sont des partenariats qui portent sur le temps, sur 3 ou 4 ans, où les gens prennent le temps de se rencontrer, de parler le même langage. Il y a d'autres cas où c'est plus compliqué, et là, il y a besoin d'un traducteur. Il faut de la traduction, c'est-à-dire qu'il faut des gens qui, rapidement, vont vous mettre en situation de bien expliquer le besoin, s'il y a un besoin, si le besoin est bien identifié, et de pouvoir répondre, de traduire le besoin, de pouvoir répondre, et réciproquement aussi, traduire ce que disent les chercheurs aux citoyens que je suis, qui n'est qu'un simple élu. Voilà. Voilà à peu près quelle est l'attente que moi j'attends maintenant. Ce sera une proposition politique pour le prochain mandat, même si je ne suis pas candidat. Voilà. Alors, Madame Cabana. J'ai des différents ordres. Préalablement, je devrais vous dire qu'il faut quand même, je reconnais qu'il faut quand même une culture d'ouverture et une culture de savoir dans l'organisme qui reçoit les chercheurs. Si on veut travailler en collaboration, il faut que les chercheurs se sentent accueillis et sentent qu'il y a eu de place et un apport. En cela, il y a des en tout cas, au centre jeunesse, dans les centres jeunesse, il y a tout un plan de formation continue, il y a l'avancement de la recherche est toujours valorisé, il y a des programmes pour nos étudiants. Je pense que c'est un préalable. Il faut penser, on était longtemps en centre jeunesse à penser qu'on fonctionnait en vase clos. Depuis 15 ans, 20 ans, on voit bien que si on veut évoluer, si on veut rendre des meilleurs services aux jeunes et à leurs familles, on n'a pas le choix de faire avancer la science, d'aller voir ce que les chercheurs ont à nous offrir. La culture d'ouverture et de savoir est beaucoup plus élevée qu'au tout début. Fait que c'est comme un terreau préalable ou qui doit être construit en cours de route. Par rapport aux défis que ça, un coup se fait, par rapport aux défis que ça pose, il y a deux genres de recherches. On reçoit des recherches, on reçoit des chercheurs, en fait, parce qu'il y a un besoin qui a été exprimé de la part du centre jeunesse. Et là, à ce moment-là, on travaille en partenariat à évoluer ensemble. Mais des fois, la recherche en elle-même peut nous faire découvrir des besoins auxquels on n'avait pas pensé. Il y a ça aussi. Ça pose des défis différents. Si le besoin n'a pas été issu du centre jeunesse, faut faire particulièrement attention à la période de transfert des connaissances parce qu'on va apprendre des choses-là auxquelles on n'avait pas pensé. Fait qu'il y a cette période-là qui me semble la plus importante. On verra après ça si on veut implanter les retombées de la recherche dans un changement de pratique. Là, à ce moment-là, ça sera l'appropriation. Mais disons que la recherche est venue d'un besoin commun. C'est la période d'appropriation qui est la plus négligée, on pourrait dire. Parce qu'à ce moment-là, les chercheurs, puis ça, je pense que ça a été dit tout au long de la journée, les chercheurs, leur rôle est terminé. Fait que là, si on veut implanter une nouvelle approche, si on veut changer des pratiques, vous savez ce que c'est, j'imagine que vous devez vous en douter. On est confronté régulièrement avec la réalité. Fait que ça se peut que la recherche perde le sens qu'elle avait à l'époque. Fait que
travailler avec un chercheur encore à cette étape-là, peut-être pas au même, aussi intensément qu'au moment où il fait la recherche, mais travailler avec lui pourrait nous aider à faire une implantation de pratiques nouvelles, mais qui, avec le sens du chercheur. Et lui pourra aussi nous aider à ne pas oublier ça. Et à ce moment-là, il faut savoir que nous, là, les jeunes, là, on ne peut pas leur dire, excusez le terme, là, mais on ferme la shop, on implante une nouvelle pratique, puis après ça, quand on va être meilleur, on va vous ramener. Il faut que savoir que nous, le travail continue. Fait qu'il faut implanter quelque chose, il faut y consacrer du temps parce qu'on sait qu'on doit consacrer du temps quand on implante une nouvelle chose. Et il faut continuer à rendre le service. Fait que pour les intervenants qui œuvrent auprès des jeunes, et les gestionnaires qui les encadrent, c'est un double défi. Et c'est ça qui peut faire des fois que ça peut être long. Il ne faut pas perdre patience, par contre. Ce que je voulais terminer par rapport à la question des défis, c'est par rapport aux intervenants eux-mêmes. C'est très important. Souvent, les recherches, ils se font avec quelques gestionnaires, en collaboration avec quelques gestionnaires, des décideurs, le comité scientifique. Mais les intervenants qui œuvrent quotidiennement auprès des jeunes ne sont pas toujours au courant de la recherche qui est en train de se faire et des retombées que ça va avoir. Il ne faut pas les oublier. J'ai vu une recherche qui avait été très utile dans ce sens-là. Tout au long de la recherche de la chercheure, elle émettait des bulletins informatifs à tous les mois pour voir où ça en était dans le résultat de sa recherche. Mais je peux vous dire que quand elle a publié ses travaux puis qu'elle a fait un exercice de transfert au centre jeunesse en question, bien, il y a eu beaucoup de monde dans la salle, parce qu'elle avait suscité un intérêt tout au long et les gens pouvaient voir que ça pouvait avoir des retombées. Les moyens les plus efficaces, là encore, je me répète avec ce qui a été dit dès le début, c'est d'impliquer tous les gens concernés et dès le début de la recherche, les impliquer peut-être dans l'élaboration du projet de recherche comme tel, dans l'interprétation des résultats, dans le changement d'angle, dans l'action concertée. À un moment donné, on a eu l'occasion, il y a eu un comité aviseur, il y a eu à un moment donné, on a dit « ouais, mais si tu poussais tel aspect, ça nous éclaire beaucoup plus que si tu pousses tel autre aspect. » Fait qu'on peut interagir en cours de recherche, ça peut, et pour le chercheur, je pense que c'est plus valorisant parce qu'il sait que les données vont être utilisables puisqu'on a fait partie. Je pense que le secret est là, c'est qu'il faut impliquer les utilisateurs tout au long. De la recherche. Puis quand je dis utilisateurs, je suis bien consciente que pour moi, les utilisateurs, c'est les intervenants. Mais il y a aussi une façon, puis c'est ça que le laboratoire vivant vient chercher, c'est que les utilisateurs peuvent être aussi les jeunes et leurs familles. On n'est pas, en tout cas, ceux qui utilisent le laboratoire vivant impliquent les jeunes. On a au moins deux expériences en centre jeunesse. Ils font leur groupe avec, en impliquant certains jeunes et leurs parents. Il semblerait que c'est très riche comme contenu, mais pour nous autres, habituellement, les utilisateurs, c'est les intervenants qui vont être les premiers responsables de l'appropriation. Il y a un aspect que je voudrais mentionner, c'est que ce qui est aussi important qui est à la base, c'est le respect et la considération mutuelle qu'on peut avoir entre les chercheurs et les intervenants. Les intervenants, je ne vous le cacherai pas, on a souvent considéré que les chercheurs avaient la vérité, mais qui n'était pas applicable. Ça amène un peu un problème. Et les chercheurs ont longtemps considéré qu'on était, comme j'ai dit tantôt, des facilitateurs pour avoir des sujets à leur recherche. De plus en plus, je vois que le savoir tacite, parce que de ça, il y en a question, puis le savoir universitaire ou de la recherche, font des points de convergence et peuvent aussi faire avancer la recherche, parce que le savoir tacite a une importance très grande aussi. Qu'est-ce qu'il faut faire pour mes messages aux organismes subventionnaires? Je l'ai dit, impliquer dès le début les utilisateurs.
là, je sais, il y en a des questions, puis qu'on est dans une période d'austérité, mais dans les subventions de recherche, il y a une période de transfert des connaissances. Je sais, en tout cas, dans l'action concertée, il va y avoir une action liée au transfert de connaissances. Mais en ce qui concerne l'appropriation, il n'y a plus rien. Il faudrait peut-être que dans les projets de recherche, il y ait aussi cette partie-là qui soit impliquée pour que le chercheur soit habilité à venir donner un coup de main à l'utilisateur pour implanter les parties qui seront utiles, en tout cas en ce qui concerne les centres jeunesse. Merci. Mais, Monsieur Lacroix. Mais s'il vous plaît, il ne faudrait pas abattre vos tours d'ivoire trop tôt. Moi, je compte sur l'université pour ébranler mes certitudes, mes idées reçues. On a besoin de vous pour ça. La tentation est grande, on l'a vu aujourd'hui, de récupérer, d'instrumentaliser la recherche à des fins commerciales ou autres. Ce n'est pas ce dont on a besoin de votre part. Je pense ici à Carole Lévesque de l'INRS, qui travaille sur les Autochtones, au Québec en particulier, ailleurs dans le monde, qui nous a fait comprendre que les catégories qu'on utilisait chez les Blancs pour catégoriser l'itinérance, les types d'itinérance, ne s'adaptaient pas du tout aux personnes issues des Premières Nations, des Inuits. Sa façon de voir le monde a renversé nos a priori. Alors, c'est de ça dont on a besoin. On a besoin que vous descendiez sur le terrain. Les gens, M. Klein, Fontan et Charles Roy, sont allés voir des cafétérias communautaires dans Côte-des-Neiges pour saisir la situation. Les gens de la cafétéria de Côte-des-Neiges étaient dépassés par la situation. Les personnes qui fréquentent leur soupe populaire, en fait, ne se disent pas itinérantes. C'est des gens, non, qui ne connaissent pas le sans-abrisme, ils sont juste là en attendant, on ne reconnaît pas. C'est un stigmate assez lourd à porter, vous vous en doutez, l'itinérance. On ne se l'applique pas sur nous. Les travailleurs de rue dans l'ouest de l'île aussi vivaient quelque chose de très différent de ce qu'on appréhendait. Alors, bien sûr, j'aurais aimé ça que la recherche prouve des phénomènes sur lesquels je suis habilité à travailler, mais ce n'est pas le cas. La recherche nous réserve des surprises. Et c'est votre rôle de nous ramener parfois. Bien sûr, vous ne détenez pas le monopole de la vérité, mais vous avez des outils qui peuvent nous amener à appréhender, à se rapprocher, à tout le moins, de la réalité de notre monde. On a besoin de vous, c'est clair. Moi, je dirais que ce qui ressort de la table ronde, c'est en quoi la recherche, elle est pertinente et elle est utile, pas seulement quand on est obligé de l'accueillir, mais également, si je comprends bien, pour mettre en évidence un certain nombre de problèmes, pour y apporter des solutions, voire pour être bousculé. Et M. Lacroix nous invite à rester un peu dans nos tours d'ivoire, c'est-à-dire à garder notre rôle de chercheur, parce que ce type de connaissance-là, si je le comprends bien, est encore utile et toujours utile. En revanche, on a quand même un certain nombre, je pense, encore de défis. La multiplication des lieux de rencontre, mieux se comprendre, se faire confiance, ça s'établit, si je comprends bien, dans le temps. On a des défis peut-être même en termes de capacité à gérer le changement dans les organisations qui résultent de la recherche. Donc, ce sont des défis que je retiens. Donc, mais si je comprends bien, lorsque la recherche est amenée dans un milieu et qu'une culture de savoir s'y développe, on a des témoignages comme ceux qu'on entend aujourd'hui. Donc, je veux vous remercier infiniment. Je pense qu'il reste une dernière personne. C'est pas moi qui fais la suite. Et une dernière personne à venir sur la table avant qu'on vous libère pour le cocktail.